Je n'en pouvais plus. J'étais désespérée. À l'époque, la perspective de ce mariage m'angoissait énormément. Mais je sentais que j'avais le soutien de mon futur mari. Quand on est jeune, on croit toujours être prêt à pouvoir tout affronter. Et naïvement, on pense qu'on sait ce qui nous attend. Je voulais vraiment que ça fonctionne. J'aimais profondément mon mari. Et j'avais le désir de vraiment tout partager avec lui. Et je me disais qu'on formait un très beau couple. Vous l'avez trouvé? Oui, monsieur. Ce sera tout, monsieur. Chérie, ça c'est une bague de fille. Un jour, tu trouveras une fille à qui tu donneras une belle bague, comme celle que papa m'a donnée. Tiens, gentil garçon. Grâce à vous, il y a eu 30% de candidatures féminines de plus que l'année dernière, monsieur. C'est bien, je vais pas m'en plaindre. Bon, je vous prie de m'excuser. Ça m'embête quand même un peu d'arriver une semaine après tous les autres. À votre place, je ne m'en ferai pas, monsieur. Ah oui, si vous avez raté quelque chose d'important, on trouvera quelqu'un pour vous remettre à niveau. Non, pas de question, je ne veux pas de traitement de faveur. Bien. Vous voulez un coup de main? Non, c'est pas. Non, je suis vraiment navré. Non, c'est pas grave. Non, c'est le moins que je puisse faire. C'est bon, ça ira. Par contre, je te laisse ramasser ça. Oh, oui. Non, c'est pas vrai. Votre Altesse? Will. Tu peux m'appeler Will. Oh. Lewis, et vos bonnes manières, alors? Oui, évidemment. Alors, où est ta chambre? À côté. C'est juste là. Et tu t'appelles? Je m'appelle Kate, votre Altesse. Will, désolée. Kate Middleton. C'est ici. Puis-je? Oui. Où est-ce que tu as trouvé cette photo de moi? Non, c'est pas... Lewis? Je croyais qu'on les avait toutes détruites. Navré, monsieur. Il semble que celle-ci nous ait échappé. Ravi de t'avoir rencontré, Kate. Oui. Gardez une place. Merci. Voici probablement l'une des œuvres les plus connues de Michel-Ange, la statue de David. Figurez-vous qu'en partant d'un bloc de marbre de qualité tout à fait médiocre, un homme armé d'un simple ciseau a sculpté, certains diraient même qu'il a mis au grand jour l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de tous les temps. On peut se demander pourquoi il n'a pas été plus généreux avec ce pauvre garçon au niveau de... J'allais dire, de sa corbeille à fruits. Bonjour, messieurs. C'est bon, on y va? Attends, tu rigoles? Cynthia, j'ai déjà manqué 3 cours. Donc, si j'assure pas sur ce doigt, je suis mal parti.
C'est aussi simple que ça. T'as qu'à demander à Lewis de te le faire. Mais t'es malade. Bah quoi, c'est ton assistant, non? Je croyais que c'était toi, mon assistante. Et d'ailleurs, elles sont où, toutes les notes que t'as prises pour moi? Je suis désolée, mais je suis pas super bonne en prise de notes. Bon, d'accord. Très bien. Tu veux des notes? Duncan? J'ai rien sur ce siècle-là. Kate? Ouh, Kate? On a besoin du cours sur le mouvement rococo. T'as pris des notes? Attends. Désolé de t'avoir dérangé. T'embête pas. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai. C'est bon. C'est bon, tu peux lui passer. Tu peux faire passer? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. J'ai essayé d'appeler sur votre téléphone, mais vous ne répondiez pas. Si je ne réponds pas, c'est que je suis dans une bibliothèque en train de travailler. Tout du moins, j'essaie. Excusez-moi, Votre Altesse Royale, mais avec tout le respect que je vous dois, je suis obligée de vous rappeler, ainsi qu'à tous vos amis, qu'il s'agit d'un lieu de travail qui doit rester silencieux. Oui, bien sûr. Veuillez nous excuser. Il faut quand même que je vous dise qu'on est tous ravis que vous soyez parmi nous, monsieur. J'en suis très heureux, moi aussi. Ça ira. Vous êtes fier de vous? Vous m'attirez des ennuis. Toutes mes excuses, monsieur. Mais puis-je vous dire un mot? C'est assez important. Cela concerne l'inauguration de samedi. À plus tard. Merci. Merci beaucoup. Te répondre ou pas? Ah, bah tiens, c'est la reine. Quoi? Elle me demande ce qu'elle veut. Elle ne m'appellerait jamais à cette heure-là. Mais non, je rigole, c'est Cynthia. Maintenant, elle m'envoie un message. T'étais censé me rejoindre il y a plus d'une heure. Intéressons-nous maintenant à la Renaissance italienne, période à laquelle la mafia, telle que nous la connaissons dans les films aujourd'hui, a fait son apparition incarnée par la famille de Médicis. Cette dynastie a régné sur Florence d'une main de fer, en usant et abusant de la corruption, des mariages arrangés et autres méthodes coercitives. Il n'y a pas eu, à notre connaissance, de tête de cheval glissée sous les draps, mais Côme de Médicis, qui était à la tête de Florence au milieu du 15e siècle, est considéré par beaucoup comme l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, parrain de la mafia. L'année 1453. T'es trop dur avec moi. C'est la chute de l'Empire byzantin. Une peinture dense en couleur et précise dans les gestes. C'est Masaccio, bien sûr. Très bien. Bon, quand je reviens, on passe au 16e siècle, alors prépare-toi, d'accord? Kate, tu me sauves la vie. Quand je peux rendre service. Prends. Ah, mais oui, c'est toi. On m'avait bien dit que tu venais étudier ici. Tiens, remets-moi la même chose, ma jolie, et une pomme pour notre ami. Et en plus, je fais des rimes. Pour moi, ça ira, mais c'est gentil quand même. Freddy, je crois que vous avez assez bu comme ça. T'entends ça? Quelle insolence! Plus aucun respect de rien. Détendez-vous, elle fait son boulot, c'est tout. Freddy, je crois qu'il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Écoute-moi bien, je vais nulle part. Tu vois pas que je suis en pleine conversation avec notre futur roi? Tu sais quoi, Willy? Ça te dérange pas que je t'appelle Willy, hein? Sans vouloir t'offenser, ton père, c'est un type sympa, c'est vrai, je l'aime bien. Mais sérieusement,
tout le monde sait que ça devrait être toi le roi, pas lui, hein. Allez, fais-nous voir ta frimousse un peu. Allez, doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gardes vont me jeter dans la tour de l'eau. Ce ne sera pas nécessaire, James. Ah oui, ça fait 5 minutes qu'il prend la tête. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. Pour être honnête avec toi, je me demande si je vais pas tout laisser tomber, en fait. T'es sérieux? Tu veux partir? Tu vois, ici, je me sens un peu claustrophobe et... ça m'angoisse. Oui, mais tu y arrives quand même. Ça va, tu t'en sors. Ouais. Comme au pub tout à l'heure. Je peux te dire quelque chose? Écoute, je sais que je suis pas à ta place et que ce sont pas du tout mes affaires. Mais tu te rends compte qu'en étant ici, tu peux avoir une vie quasi normale comme n'importe qui? Est-ce que l'occasion se représentera dans ta vie? Pendant les 4 prochaines années, t'auras la chance de fréquenter des gens de ton âge et tu te feras des amis que tu garderas pour la vie. Pendant ces 4 ans, tu pourras être vraiment toi. Alors, c'est à toi de voir. Mais réfléchis bien à ce que tu vas faire. Il a vraiment écrit excellent travail en bas de ton examen? Oui, et alors? Tu peux plus te cacher maintenant. Tu fais officiellement partie du club très privé des chouchous du professeur Seymour, ça y est. Toi aussi, tu t'en es pas trop mal sorti. Oh. T'as eu une bonne note, mais pas de compliments. Allez, on fait la course jusqu'à la cafette? C'est pas juste, t'as pris de l'avance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... ce sont des lasagnes, c'est ça? Les affaires reprennent? Eh bien, les affaires vont attendre encore un peu. Alors? Tu vas prendre quoi comme cours au prochain semestre? Attends. Bouge pas. Oh. T'avais plein de sauce béchamel sur la lèvre. Sinon, je voulais m'inscrire au cours de Swahili. Je connais déjà un peu. Supuru, Asterola, Panjame, Rondo, Rondon, Simpson. Ça veut dire j'adore regarder les Simpsons. Non, c'était du charabia. Allô? Oh non, c'est pas vrai! Oh mince, j'ai pas vu leur tourner! Écoute, j'arrive dans 2 minutes, d'accord? À tout de suite. Un rendez-vous galant? Je peux rien te dire. C'est un secret, je dois pas en parler. On a payé pour voir ça. C'est pour la bonne cause, Harry. Vas-y, Duncan ! Montre leur ce que t'as dans le ventre ! Ouais ! T'es le plus bon ! C'est magnifique ! Eh, hey, mais tu vas comme ça ! Bien ! Vas-y, reviens, Duncan ! Wouh ! Bon ! Quel talent ! C'est Kate, qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est qui, Kate ? Ouais, il est ami. Ouais, c'est ça.
courageux pour faire un truc pareil. Ah oui, moi je l'aurais fait. Excusez-moi, mademoiselle, ça vous dirait de venir voir mon château en tout bien, tout honneur, monsieur? Eh, pas les pattes, frangin. Tout doux, beau gosse. Kate, je te présente mon grand timide de frère, Harry. Mes hommages. Ouh, salut. Ravi de te rencontrer. Salut. Salut. Oh, monsieur Duncan, dis donc, ça fait plaisir de te voir habillé. Qui aurait cru que Duncan était un mannequin dans la rue? Non, mais attends, la vérité c'est que Duncan fait ça depuis qu'on a 15 ans. Il fallait toujours qu'il se promène en sous-vêtements dans le dortoir. Oh. Ah, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Il a dû commencer vers 12 ans. Un pichet, s'il vous plaît. Fais voir. Oh, vous avez vu ça? Il y a vraiment un air de famille, c'est indéniable. Hey, t'as les mêmes yeux, c'est dingue. Et toi, tu sors toujours les mêmes blagues. Alors au bout de 5 fois, faudrait peut-être penser à se renouveler un peu, non? Ouais. Merci beaucoup. Ah, c'était bon. Drôle. Amène le pichet. Allez, vas-y. Tendez-moi vos verres, c'est ma tournée. Sinon, je tenais quand même à préciser que je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, Kate. C'est un plaisir et un grand honneur d'être en aussi charmante compagnie. D'ailleurs, je pense que ça mérite d'être fêté dignement. Oh, quel enthousiasme, ça fait plaisir. Alors, pour bien commencer, on va s'échauffer en jouant à Jamais au grand jamais. Oh, oh non. Mais non. Si, justement, c'est on va rigoler. C'est quoi ce jeu? Bah, on fait le tour du groupe et à tour de rôle, chacun doit dire quelque chose qu'il a fait ou pas. Et par exemple, si toi tu l'as déjà fait, tu dois boire. Jamais au grand jamais, je n'ai lavé mon linge sale. Ah ouais, intéressant. Bah ouais, on est des princes, mais qu'est-ce que vous voulez? Il aime bien nous piéger. Ah, ouais, d'accord. Désolé. Allez, à toi. Oh, faut que je réfléchisse. Jamais au grand jamais, je n'ai vomi en plein contrôle de français. Oh. Oh. Non, vous savez quoi? C'est Marie Clairveil, il vous a fait déjà jouer à ce jeu débile. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas drôle. Jamais, au grand jamais, je n'ai porté une petite robe en dentelle transparente tellement sexy que la température de la salle a dû grimper de 10 degrés en moins de 2 minutes. D'accord, ça va, j'ai compris. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Bien joué. Voilà. Jamais, au grand jamais, je n'ai été bordée dans mon lit par Sir Elton John en personne. Non, mais... Kate, t'étais pas censée le répéter, c'est vache. Et Harry aussi. Harry, il nous a juste lu une histoire, mais enfin, bon. Bon, allez, à moi. Jamais, au grand jamais, je n'ai embrassé un prince. Bon. Quoi? Bah, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Il a fallu que je t'embrasse pour ton baptême. Alors qu'est-ce que t'attends? Toi aussi, tu dois boire. Je t'ai jamais embrassé. Ah oui, peut-être, mais t'as déjà embrassé papa et grand-père. Oh, allez, oui, attends, c'est vrai, ça. Allez, je suis un sec. Du sec. Allez, jusqu'au bout. Églou, 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 églou. Vous êtes contents? Oh, salut, Will. Et t'en avais marre de l'ambiance dortoir et de la nourriture de la cafette? Non, juste des douches communes, en fait. Et puis, je pense qu'on pourra mieux travailler dans ces conditions. Oui, mais bon. Ça va? Tu t'en sors? Fais attention quand même. Vous allez voir, vous allez halluciner. Un instant, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon. Venez entrer. Oh, oh, j'y crois pas. Oh la vache! Et encore, vous avez pas vu le salon. Venez voir. Il y a là aussi. Oh, c'est grand. Si alors j'ai... là, je suis sans voix. Va voir. Oh, je prends cette chambre. Non, mais t'as vu ça? C'est le manuel d'utilisation du système de sécurité. Va falloir t'y habituer. Vitre blindée. En fait, j'ai l'impression d'être dans Matrix. Viens, je sais ce qu'on va faire. C'est juste une télécommande, imbécile. Hé, les garçons, on a quelque chose à vous dire. En fait, on se demandait si vous seriez d'accord. Non, on a décidé. Oui, on a décidé. Que vous alliez participer à toutes les tâches ménagères, parce qu'il est hors de question qu'on fasse tout. Pas de pitié pour la saleté. Oh, on va éviter la vieille odeur de moisie et de chaussettes sales, comme dans vos garçonnières. N'importe quoi. C'est même pas vrai. Je compte sur toi, Dami. Oh, ouais. Je te montre. Alors, tout ce que t'as à faire, c'est de mettre un peu de lessive dans ce bac-là, d'accord?
Dans celui-là, tu peux mettre de l'adoucissant. Et si jamais tu veux mettre du détachant, tu le mets dans celui-là. Merci pour les explications. C'est pas compliqué. Wow, qu'est-ce que tu fais? Quoi, comment ça? Bah, je mets de la lessive. Non, mais il faut la doser dans le bouchon d'abord. Bon, bien là, on va prendre cette machine plutôt. Dans le bouchon. Comme ça. Voilà. Ensuite, tu la verses. Oh. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Franchement, pour moi, c'est une vraie galère. C'est pathétique. Oh. Je meurs de faim. Kate, est-ce qu'il reste du gratin, celui que t'as fait dimanche? Je l'ai terminé ce matin au petit-déj. Désolée. En tout cas, moi, j'en ai marre de manger des pizzas. D'accord, ça va, j'ai compris. Je termine ça et je vais nous préparer quelque chose. T'es génial. Alicia, tu peux mettre plus fort, s'il te plaît? Évidemment, les ragots vont prendre train sur la vie amoureuse du prince. On ne peut que se demander ce qui se passe dans le confort de l'appartement bourgeois qu'il occupe sur Hope Street. D'autant plus que deux de ses colocataires sont de ravissantes jeunes filles. Mais tout de suite, une dédicace spéciale pour notre prince préféré, House of Love, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Ça, c'est beau. Il s'en a l'air dans le... Donc j'imagine que Will aime l'Afrique. Bah, t'as pas vu sa chambre? Will adore l'Afrique. C'est une passion familiale. Sa mère s'est beaucoup battue contre les mines antipersonnelles là-bas. Et son père est très engagé pour la protection de la nature. Oh. C'est magnifique. Vous avez... Et toi, en quel animal féroce es-tu déguisé? Je suis une lionne. Comme tous les lions, je suis sûr que tu possèdes une excellente vue. Peux-tu me dire sous laquelle de ces coques j'ai caché le mystérieux caillou? Celle-là, votre Altesse. Non. Attends. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose derrière ton oreille. Bravo. N'était-ce pas fabuleux? Encore, votre Altesse. S'il vous plaît, Prince Charles. Oh, ça alors? Tes oreilles sont presque aussi grandes que les miennes. À présent, choisis une carte. Non, il ne faut pas que je la voie, mais tu peux la montrer à tes camarades. Charles, je viens de quitter William en pleine forme. Il riait aux éclats avec le frère et la sœur de Diana. Vous m'envoyez extrêmement soulagé. Et vous, ma chère? Oh, et bien... Comment vous portez-vous? Il est vrai que la situation est quelque peu embarrassante, mais tout le monde est très agréable. Et la plupart font de leur mieux pour que je me sente à l'aise. Oh, j'en suis ravi. À présent, monsieur l'éléphant. Merci. Alors, tout le monde sait bien que les éléphants ont une excellente mémoire. Donc, tu n'auras pas de mal à te souvenir de cette carte, n'est-ce pas? C'est une bonne chose que vous tentiez de mettre fin aux conflits familiaux qui nous gangrènent. C'est le souhait le plus cher de William. Mon cher. Et maintenant, Camilla, vous voulez bien m'accorder la faveur d'ouvrir votre sac à main pour nos invités ici présents? Ça, par exemple. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est cette carte? Oui. Pour la reine de mon cœur. C'est Will là-bas? Oui, c'est bien lui. Je savais pas qu'il... Il se débrouille vraiment bien. J'arrive. Merci. J'ai pas l'habitude de jouer avec un seul, il faut les deux. Le voilà. Il arrive. J'ai là. Jenna,
Ah, Jenna, je suis tellement content que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué tes 21 ans pour rien au monde, Will. Alors c'est parfait, parce que tu es l'invité d'honneur aujourd'hui. Abchen de Chango, Vitugzem in Bangdong. Alina Muchukuru Mungmong. Est-ce que tu as vu mon père? Il est en train de faire des tours de magie pour amuser les petits. Je peux te dire qu'il va être ravi de te voir depuis le temps. Ça me fait tellement plaisir. C'est Jenna Kirk, la déesse de la vallée du Rift. Elle est également surnommée Jane l'Hédoniste dans les cercles avertis. Allez, on y va. Leurs parents respectifs ont tout fait pour les rapprocher. Kate? Kate? Alors finalement, tu es enfin venu voir mon château? Tu viens boire un verre avec nous? Non. Comme tu voudras. Amuse-toi bien. C'est Kate Middleton, l'une des colocataires de William. Je vous la présenterai. Je vous présenterai à tout le monde. Et donc, j'étais en train de vous parler de l'ours. C'était après, quand notre hélicoptère s'est écrasé. J'en ai encore les cicatrices. Tu les vois? Ah ben non, il n'y a pas assez de lumière. La deuxième porte sur votre... Merci. Miss Middleton, quel plaisir de vous revoir. Vous êtes perdue? Oui, on peut dire ça. Dans ce cas, sans vouloir vous imposer quoi que ce soit, je vous suggère cette direction. Qui sait, vous pourriez, disons, croiser quelques têtes familières. D'accord. À bientôt. C'est original, n'est-ce pas? Je viens de faire ma 200e apparition publique dans le Nord. J'ai eu à peine le temps de me changer pour passer mon costume. Ça doit être fatigant, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir jusqu'à Londres, alors nous nous rendons jusqu'à eux pour voir comment ils vivent et leur donner des encouragements. Parfois, on ouvre de nouvelles usines et parfois, c'est le chômage qui frappe. Mais il faut toujours les soutenir. Bonjour, vous êtes? Je m'appelle Kate Middleton, votre majesté. J'étudie à St. Andrews avec le prince William. Oh, vous faites partie de la bande qui habite le même appartement. Oui. Je vous ai entendu dire que vous reveniez tout juste d'un déplacement. Cela doit être épuisant, tous ces voyages que votre fonction vous impose. Un jour, alors que je remettais une médaille de la bravoure à un jeune soldat, je lui ai dit qu'il s'était montré très courageux. Et il a répondu, ce n'est que de l'entraînement, votre majesté. Je crois qu'une bonne préparation est à la base de la réussite. C'est magnifique, vous avez gagné. Bravo, madame. Vous pourriez passer professionnelle, grand-mère. Bonjour. La fête est vraiment superbe. Merci beaucoup. Vous et papa, vous avez tapé dans le mille sur ce coup-là. Venez dans la salle de bal. On jouera quelques-uns de vos morceaux favoris. Vous passerez des valses de Strauss? C'est quoi ce pas de danse? Oh, rien d'extraordinaire. J'aime croire que je suis un bon danseur. Mademoiselle, entrez. Quel charmeur. Duncan, ne lui marche pas sur les pieds, hein? Comme si ça t'était jamais arrivé. Oh. Elle est très belle, ton amie d'Afrique. Oui, c'est vrai. Elle compte beaucoup pour moi. C'est assez rare d'avoir l'occasion de se déguiser, de sortir les verres en cristal et la belle porcelaine. La plupart du temps, tout est rangé dans les placards. C'est agréable de pouvoir en profiter. Car après tout, nous ne vivons pas comme ça tous les jours, n'est-ce pas? Attends, regarde ça. Quoi?
Oh. T'es fou. Bouge pas. Voilà. Où est-ce que t'as appris ça? C'est ma mère qui me l'a montré. When I am away every moment, I miss you. Could it be that I'm in love? Y a quelqu'un? Je suis dans la cuisine. Alicia? Duncan? Ils sont au pub. C'est quoi tout ça? Eh bien, alors là, nous avons ton poisson préféré qui est en train de finir de cuire au four. Et là, je fais mijoter des petits légumes certifiés biologiques qui ne devraient pas tarder à être prêts d'ailleurs. Tu veux voir? Oh, je me suis brûlé. Il faut le passer sous l'eau. Bouge pas. Ça va aller. Dis-moi, c'était en quel honneur cette soirée? Eh bien, c'était pour changer un peu. D'habitude, c'est toujours toi qui cuisines. Et les fleurs? Et les bougies? Je voulais que tout soit joli. Pour te faire plaisir. Bon, sinon j'ai ramené plein d'autres DVD sympas. Tu vois, on pourrait se regarder, je sais pas, les Monty Python ou... Enfin, si ça te dit. Oui. C'est super. Une soirée de rêve. Vraiment. Tout ce que t'as fait pour moi ce soir, ça me touche beaucoup. William. Tu m'appelles jamais comme ça. Par mon prénom. Au fait, tu savais que c'était mon club de billard préféré? Il y a beaucoup de choses que je savais pas sur toi avant de te rencontrer. Ah oui? Quoi, par exemple? Par exemple... Je pensais pas que tu pouvais être de si mauvaise humeur le matin tant que t'as pas bu ton thé. Monsieur Grognon. Et puis, l'enthousiasme et l'excitation qui te gagnent dès que tu commences à parler de l'Afrique. Il y a ton petit rire que t'as tout le temps. Et j'adore ton caleçon qui te descend sur les hanches. Bon, d'accord. Assez parlé de moi. Et toi alors? Quoi, moi alors? Dis-moi tout ce que je sais pas sur toi. Eh bien, un jour, j'ai été une coccinelle. J'ai aussi été un dinosaure, une indienne, un pirate aussi, et une princesse de conte de fées. Voilà. Donc, en fait, tu es en train de me dire que tu souffres d'une forme de schizophrénie aiguë, c'est ça? Ah non, non, c'est encore pire que ça. Là, je te parle carrément de travail d'enfant, tu vois. En fait, quand j'avais 6 ans et que ma sœur en avait 5, on a posé pour les photos du catalogue de déguisements que mes parents vendaient. Eh ben, dis-toi, c'était le début de la gloire, alors. Tout ça pour finir par défiler à Saint-Andrews.
Bon, allez, sérieusement, on va voir si on peut t'améliorer au billard. D'accord. Rapproche-toi un peu, encore un peu, penche-toi. Maintenant, pose bien ta main à plat sur la table. Comme ça? C'est parfait. Et maintenant, concentre-toi. Tu vises et tu viens taper la boule d'un geste harmonieux. Reste bien concentré. Ça va aller? Oui. Bon, alors vas-y. Oh! Eh ben voilà! Bravo! Merci. Et ouais, j'y ai joué un peu quand j'étais petite. Ah ouais? Un peu seulement? Dis-moi, je peux pas croire que tu penses jamais. À quoi? Au fait que tu seras roi un jour. Oui, oui, enfin, c'est pas pour tout de suite non plus. Et puis, en plus, d'ici là, il se peut très bien que qu'on soit passé à la trappe. Je veux parler de la monarchie, bien sûr. Oh, alors franchement, ça m'étonnerait. Si un jour je devais devenir roi... Non, le jour. Le jour où tu deviendras roi. Je crois que j'aurais pour ambition de faire les choses différemment. Par exemple, je me vois pas du tout assis sur un trône ou avec une couronne sur la tête. Ma mère m'a dit un jour que si elle devait devenir reine, elle voulait que ce soit dans le cœur des gens. Et moi, je voudrais être un roi proche du peuple. Oui. Un roi accessible. Ouais. Un roi qui fait brûler son repas, même si ça l'embête de le reconnaître. Allez, lance-en un peu aussi. Bon, alors maman, la première fois que tu rencontreras le prince Charles, il faut que tu t'adresses à lui avec la plus haute forme de respect, votre Altesse Royale. Et c'est aussi valable pour Camilla. Ensuite, tu pourras dire monsieur ou madame. Et n'oubliez pas que les femmes doivent faire la révérence, tandis que les hommes doivent pencher la tête. Je dois juste pencher la tête? Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais alors attends. Votre Altesse Royale. Votre Altesse Royale. Tu es parfaite. Merci. Votre Altesse Royale. Ça va? Ça va. Bonjour. Oh, je suis ravie de vous rencontrer. Enchantée de vous connaître. Oh. Heureuse de vous rencontrer. Ravie de vous connaître. Oh, j'ai répété cela pendant des années, jusqu'à ce que les gens commencent à croire que je radotais. Mais voyez ce qui s'est passé en Afrique il y a quelques années pendant la sécheresse. Les maladies comme la malaria ou la dengue se sont propagées à toute vitesse. Et cela est clairement dû au réchauffement climatique. Si on n'agit pas tout de suite, les conséquences pourraient bien être catastrophiques. Oh, je sais, c'est dramatique. Dans notre entreprise, Party Pieces, spécialisée dans les accessoires de fête, nous avons décidé d'introduire une ligne de produits respectueux de l'environnement. Nous avons par exemple des lanternes d'Halloween en papier recyclé et des serpentins, des cotillons, des guirlandes de fagnons. Et bien sûr, tout est absolument biodégradable et sans danger pour enfin... Nous pouvons même personnaliser les guirlandes et les fagnons. Ah. En fait, nous essayons de limiter notre empreinte carbone. C'est ça. Alors, William va beaucoup me manquer quand il sera à l'école militaire de Sandhurst. Et que comptez-vous faire maintenant que vous êtes diplômé? Oh, eh bien, on m'a proposé un poste chez Jigsaw, alors. C'est une chaîne qui vend des vêtements. Je vais être assistante au service des achats accessoires. Oh, ravi pour vous. Oh. Cela semble une excellente opportunité. Oui, je suis contente.
Je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose en mode. Je crois que la plupart de mes accessoires datent de l'époque victorienne. Et tout doit être recouvert de poils de cheval. En tout cas, votre tailleur est ravissant. Oh, il vous va très bien. Merci, vous êtes trop aimable. Il aura nécessité une véritable armée de couturières et de stylistes. Mais j'essaye de faire de mon mieux, n'est-ce pas, Charles? Vous vous en sortez très bien, ma chère. En même temps, il faut être bien entraîné pour aller se frotter à la clientèle huppée qui fréquente les meilleurs tailleurs de Londres. Pour ma part, je ne suis pas James Bond, mais j'ai quelques votes secrètes. Je peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais j'ai bien cru que j'allais mourir quand mes parents ont proposé à ton père et Camilla de passer la nuit chez eux. Mais arrête, ça s'est bien passé. Tu crois? Oui, je trouve que nos familles ont beaucoup de choses en commun. Nos parents travaillent tous très dur et ils gèrent une petite entreprise familiale. Allez, viens. 95, 96, 97, 98, 99, 100. C'est bien, messieurs. Vous avez quartier libre jusqu'à lundi matin. Je veux tous vous voir à 5 heures tapantes. Encore une fois, juste un coup d'œil. Oh, espèce de petite coquine. Il me fallait un maillot pour aller à la plage. Il m'offre le voyage pour notre diplôme, ça va être chouette. J'ai trop hâte. J'espère que tu te rends compte de la chance que t'as. Je suis sûre que cette fois, c'est la bonne. De quoi tu parles? Il va faire sa demande en mariage. J'en suis sûre, je le sens. Vous auriez pas vu mon appareil photo? Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi les gens s'intéressaient tant à moi. Je pensais que c'était sans doute parce que mon mari s'était donné beaucoup de mal pour faire accepter notre mariage. Et puis, il y a eu mes deux adorables fils, de merveilleux cadeaux. Mais élever des enfants, c'est aussi une énorme responsabilité. Particulièrement William, qui est destiné à monter sur le trône. Lorsqu'il est né, ça a été un immense soulagement pour tout le monde. Toute la pression est retombée. En ce qui concerne le mariage, je pense que lorsqu'on a des parents divorcés, ce qui est mon cas, on met un véritable point d'honneur à ce que cela fonctionne. Et on essaie d'éviter à tout prix... Vous m'avez appelé, monsieur. ...de reproduire le schéma que l'on a connu étant enfant. Monsieur? Non. C'est bon, ça ira. Merci. Alors, jamais au grand jamais, je n'ai peint mes ongles de pied d'une couleur improbable comme ce rose totalement bizarroïde.
Non, désolé, là ça compte pas parce que ça s'appelle du fuchsia, figure-toi. Donc bon... Ça existe pas? Si, si. Le fuchsia est donc un rose bizarroïde, autrement dit, une couleur improbable. Ah. Allez, à vous, j'ai gagné. Rien du tout. À défaut de boire, t'auras un grain de raisin. Allez, mange. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oh, gagné. Ouais. Tu sais, tu peux pas être ivre juste en mangeant du raisin. Ah bon? Pour être alcoolisé, le jus doit fermenter. T'es sûre de ça? D'ailleurs, en parlant de doigts de pied, Votre Altesse, jamais au grand jamais, je n'ai eu de pédicure. Une pédicure? Oh, arrête, tes pieds sont bien plus beaux que les miens. J'ai jamais... Bon, d'accord, peut-être une fois. T'es vraiment un privilégié. Oh, non. Mâche bien. Très bien. Très bien. Non. Attends un peu. Non. Maintenant, tu vas payer. Attends. Quoi? Il y a un type qui prend des photos de nous derrière l'arbre. Je trouvais ça bizarre qu'on nous laisse tranquille aussi longtemps. Je suis désolé. Je le connais même pas, celui-là. Décidément, William est très présent dans la presse ces derniers temps. D'abord les tabloïds et maintenant ce concert en mémoire de Diana. Kanye West. Puff Daddy, Nelly Furtado, Pharrell Williams, Fergie. Pas notre Fergie. Sir Elton John, Rod Stewart, Dennis Hopper. Il chante lui aussi? Pas que je sache, non. C'est William qui fait venir tous ces artistes? William et Harry. Le 10e anniversaire de la mort de Diana n'est pas facile à vivre pour les garçons. Ils ont monté ce projet, ce concert, cette commémoration. C'est très important pour eux. Et avec cette jeune fille, Kate Middleton, c'est une relation sérieuse? C'est bien pour cela que vous êtes là, non? Vous avez gagné. Oh, comme c'est étonnant. Je me demandais pourquoi tout le monde parlait de cela. Quand je l'ai offert à William pour Noël, on a tout de suite pensé à vous. On s'est dit qu'il fallait vous faire essayer. Mais il vaut mieux ne pas avoir de soucis de cœur, alors. Merci. Apportez-nous du thé, voulez-vous? Je tiens à vous dire que c'est une merveilleuse surprise et un très grand honneur que de passer du temps avec vous, Votre Majesté. Allons nous asseoir. Tiens, regarde. Ces arbres donnent de délicieux fruits particulièrement sucrés. Je dois dire que, pour quelqu'un de sang bleu, vous avez la main drôlement verte, père. Ça, je me défends. On en fait une confiture absolument divine. Kate et toi devez goûter cela au petit déjeuner. Avec plaisir. Alors, combien de temps ça fait maintenant? Vous voulez parler de Kate et moi? Oui. Ah, j'en sais rien. Bientôt 5 ans. Enfin, si on compte la période où on était juste amis. Dans les premiers temps, lorsque tu m'as parlé de Kate, je t'ai fortement recommandé de ne surtout pas précipiter les choses, comme ta grand-mère l'avait suggéré aussi. Mais à présent, après 5 ou 6 ans, je ne pense pas qu'un tel risque soit encore d'actualité. Dites-moi, Kate, avez-vous déjà eu l'occasion de parler en public? À part quelques présentations en cours à l'université, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Non, en fait, je suis bien plus à l'aise en tête-à-tête. Vous savez que mon père était bègue. Il a supporté ce handicap toute sa vie. Mais il n'a jamais manqué à ses devoirs en évitant une apparition publique ou toute autre obligation. Telle que je vois les choses, s'il lui était capable de faire un bon discours, n'importe qui le peut. Oui, madame. Vous avez parfaitement raison. En fait, j'ai peur pour Kate. Je ne veux pas qu'elle subisse le même sort que maman. Dans ce cas, tu ne te marieras pas et tu deviendras un ermite. C'est ce que tu veux? William, tu dois comprendre que la presse sera toujours là. Jamais ils ne cesseront de te traquer, toi et la personne avec qui tu es.
William, ce que j'essaie de te dire, c'est que beaucoup de gens placent de grands espoirs en toi. Et je ne parle pas que de la famille. Oh. C'est du muguet. Un pur cadeau de la nature qui, je l'espère, te portera chance. En amour et dans ta vie. Tiens. Allez, on ferait mieux de rentrer. Ta grand-mère est probablement en train d'interroger Kate à la manière du grand inquisiteur. William, il n'y a que toi qui puisse écouter ton cœur, mais je crois... Et personne ne me contredira. Je crois qu'il est plus que temps à présent de faire connaître tes intentions, quelles qu'elles puissent être. Parfois la vie nous demande de faire un choix. Nous devons nous engager, ou alors renoncer. Combien de temps tu vas partir cette fois? Juste 2 mois et demi. Ça fait 10 semaines. Je suis resté plus longtemps à l'école militaire. Oui, mais je me suis habitué à être tout le temps avec toi. J'adore ces vieilles boutiques. Oh. Grand-mère en avait un comme celui-là. Tu t'imagines pas en train de bercer un petit William Junior ou une petite Williamette quand tu vois ça? Madame. Madame, désolé de vous interrompre. Monsieur, votre voiture pour le camp de Bovington est prête. Ah, oui. Très bien. Je viendrai te voir, d'accord? Tous les week-ends. Écoute, je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Maintenant, je suis officier. J'aurai des hommes à gérer, tu sais. Je pense que je serai très occupé tous les jours. Tu vas beaucoup me manquer. J'espère que j'aurai bientôt une permission. T'inquiète pas, je reviendrai très vite te voir, d'accord? Et vous y croyez toujours? Vous croyez pas que je me trompe? Je les déteste tous. Me tromper? Non, tu peux pas me faire ça. Allez, oui, la réponse. Réponds. Moi aussi, je suis content d'être là. J'ai bien envie d'aller le voir. Salut. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus chaque jour. Qu'est-ce que tu croyais? On sort plus qu'avant. Plus il y a de chair fraîche, plus il y a de vautours. C'est la règle de base. On aurait dû attendre qu'ils prennent leur satanée photo avant de monter dans la voiture. Allez, James, on y va. Bien, monsieur. Ah, quelle soirée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu l'as laissé danser comme ça avec toi? Elle était clairement en train de t'allumer et toi, tu t'es laissé faire. Tu t'es pas dit un moment que je pouvais mal le prendre? Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Un esclandre? Non, je peux pas danser avec toi, je suis avec elle. Oui, exactement, c'est ce que t'aurais dû faire. Bien sûr. Kate, on n'était pas en train de danser une valse dans une salle de bal. On était en boîte de nuit. Sur un dance floor avec plein de gens et tout le monde dansait. Oui, mais les autres n'étaient pas en train de se frotter à toi. Parfois,
Parfois quoi? Parfois j'ai l'impression que t'as pas vraiment envie que ça continue. Qu'est-ce qui doit continuer? Nous, notre relation. Génial. Ils nous suivent parce que tu t'es pas arrêté pour qu'ils puissent prendre leurs photos. Oh, c'est pas vrai. Baisse la tête. Je vais essayer de les semer, monsieur. Non, 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 non. N'accélérez pas. Ça va finir en course-poursuite infernale. Continuez de conduire normalement. Entendu, monsieur. Kay. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les services secrets, monsieur. On devrait être tranquille maintenant. Les services secrets. Tu es sûr? Tu veux pas que je monte? J'en suis sûr. Je préfère pas. Très bien. Qu'elle soit. Le plus angoissant dans tout ça, c'était l'attention constante des médias. Parce que on nous avait dit, lorsque nous nous sommes fiancés, mon mari et moi, que ça finirait par s'estomper. Ça n'a pas été le cas. Et quand nous nous sommes mariés, on nous a dit que ça passerait, mais ça a continué. Et ensuite, les médias se sont focalisés sur moi. Tous les jours, j'avais l'impression de faire la une d'un nouveau journal. Je me sentais très seule face à ça. Et plus les médias vous placent haut et parlent de vous, plus dure est la chute. Que tu m'appelles, je comptais être la première à t'appeler, mais en fait, écoute, je voulais te dire que je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier soir. Enfin, j'aurais jamais dû réagir comme ça. Quoi? Oui, il était sérieux. Quoi? Non, j'en prie. Ça faisait super longtemps que tu m'avais pas laissé gagner. Non, c'est surtout que t'es plus rapide qu'avant. T'as pris un peu de muscle pendant ton séjour au Canada, mais bon, tu partais de loin aussi. Tu charries. Ouais, faut que j'y retourne. Après ça, je te laisserai loin derrière. Et comme maintenant t'es célibataire, on va pouvoir faire la course plus souvent. Oh là, t'en fais une tête. Elle te manque, c'est ça? Ouais, bien sûr, mais en même temps, je m'y attendais. Ouais, elle était chouette, c'est vrai, mais t'inquiète pas, il y a plein d'autres filles qui attendent que nous. J'ai regardé la dernière interview de maman l'autre fois. Pourquoi t'as fait ça? Ça va aller.
Bon, on continue? Ouais. Alors, comment vas-tu? Pippa n'a pas arrêté d'essayer de te joindre. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je dois rejoindre ton père pour déjeuner tout à l'heure. Je ne vais pas rester très longtemps. C'est quoi tout ça? Ah, je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Oh. Tu sais aussi bien que moi que quand on est jolie à l'extérieur, on se sent bien à l'intérieur, non? C'est bon, arrête. Oh, tu sais, chérie, ton père et moi avons été privilégiés de pouvoir vous offrir l'éducation que vous avez reçue. Tous les jours, nous devons travailler dur pour que l'entreprise fonctionne et dégage des bénéfices. Et pour que nos enfants puissent se frayer un chemin parmi la haute société, les ducs et les duchesses, et que vous soyez aussi érudits et sophistiqués que ces gens-là. Et c'est exactement ce que tu es devenu. Il faut se battre pour réaliser ses rêves. Si tu veux épouser un prince, tu dois continuer à te battre. Mais maman, on s'en fiche qu'il soit prince. C'est juste que je l'aime et il me manque, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec son titre. Tu te souviens quand tu étais adolescente? Tu prenais des cours de tennis. Tu faisais de la natation, de l'aviron. Tu te rappelles, tu étais tout le temps fatiguée, mais tu refusais catégoriquement d'abandonner tes activités. Tu tenais absolument à être la meilleure. Si quelqu'un peut rebondir, ma chérie, c'est bien toi. Tu vas y arriver. Allez, viens là. Ma puce. Merci, maman. Allez. It's just an infatuation, I know. There's a fascination right here in my heart. Just the ocean air brings another fan. C'est votre nouvel ami. Ça veut dire que c'est vraiment fini avec Will. Arrêtez-vous ici. Mademoiselle, alors, tout va bien, ça va comme vous voulez. Et je te trouve un peu... Allez, arrête. Non, mais attends, il a l'air malade, c'est vrai, je peux pas... Non, attends, je peux pas laisser ça, tu devrais boire un peu d'eau. Chut. Non, mais sérieux, moi je la trouve carrément gonflée. Ça se fait pas de sortir avec ton ancien partenaire de polo et après d'enchaîner avec ce mec de Saint-Andrews. C'est quoi son nom? Tu crois qu'elle essaie de me rendre jaloux? Attends, moi aussi, je peux jouer à ça. Je t'avoue que elle est plutôt bonne à ce jeu-là. T'as vu cette espèce de mannequin avec qui elle était dans la presse hier? Non, mais très honnêtement, je m'en contrefiche. Ça m'est totalement égal. Elle est célibataire. Elle peut faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut, je m'en fous. En tout cas, si ça peut te consoler, t'es beaucoup plus beau que lui. Enfin, avant, tu l'étais. Ça t'a énervé, ça, hein? J'adore ce moment qui arrive. Sublime, c'est tout simplement sublime. Tu vois toujours beaucoup plus de détails que moi, c'est injuste. Toutes ces ombres, ces démarcations. Quand j'étais dans la Royal Air Force,
Nous survolions toujours le même village à différents moments de la journée. Je pouvais savoir l'heure qu'il était rien qu'en observant la portée des ombres. Depuis, je n'ai plus besoin de montre. En tout cas, je crois que je me suis quand même bien améliorée. Absolument. Tu as beaucoup progressé depuis notre lune de miel où tu essayais de peindre le lac de Burkhall pendant nos longues parties de pêche. Non, non, arrête. Tu vas me payer. Bonjour. Bonsoir, vous allez bien tous les deux? Surtout, ne vous interrompez pas. On est là en tant qu'observateur. C'est ça. Vous êtes sous, tous les deux. Non, non. Et encore, sous était un faible mot. Oh, très jolie peinture, mais à mon avis, il faudrait rajouter un petit oiseau. Ah, juste ça, ça représente un mois de travail, oh, un peu de respect. Ça suffit. Pas ça drôle du tout. Bien, je vais demander à ce qu'on nous apporte du thé noir bien fort. Oh, avec beaucoup de sucre et... du lait aussi. Et des crêpes. Bien sûr. Ta conduite est inadmissible. Oh, tu ne vaux pas mieux que lui. Pardon. Et je peux savoir ce qui t'a pris de rompre avec Kate de cette manière? Quelle maladresse. Après une relation suivie aussi longue. Les filles avec qui je suis sorti n'ont pas trop à se plaindre, je crois. Isabella, Jenna, Olivia... En fait, je leur ai même rendu service. Ouais, je suis un peu comme un tremplin vers la haute société. En tout cas, elles sont toutes en vie, elles au moins. Je t'interdis de me parler comme ça. J'ai payé très cher les erreurs que j'ai pu commettre, et je continuerai de les payer chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Ça va, c'est bon, on se calme. Arrêtez tous les deux. Ça suffit. Comment vous voulez régler ça? Pistolet, épée, revolver? Le jour va bientôt se lever. Harry, laisse-nous, il faut que je parle à William. Allez. Nul doute que j'ai fait des erreurs, William. Mais... personne ne pourra revenir en arrière et changer ce qui est arrivé à ta mère. C'est impossible. Ce serait fabuleux de pouvoir vivre sans aucun regret. Malheureusement, j'en ai beaucoup. Mais je ne veux pas... je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Père. Je ne voulais pas vous faire de reproches. Où? En ayant été avec ta mère, ma vie m'a donné les deux seules choses que jamais je ne regretterai, mes deux garçons. William, j'aimais ta mère. Mais nous étions à des années-lumière l'un de l'autre sur tellement d'aspects. Camilla et moi, nous nous complétons l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que notre relation est durable. Je ne souhaite rien d'autre que ton bonheur. J'ai récemment lu quelque part que les jeunes gens d'aujourd'hui, malgré tous les avantages et les technologies dont ils bénéficient, sont moins matures que vous et moi ne l'étions à leur âge. Il n'y a qu'à voir la façon dont William a mis un terme à sa relation avec Kate. C'est vraiment terminé avec la petite Middleton? Il semble que oui. Pensez-vous qu'elle était trop fragile? Bien au contraire. Je trouve qu'elle s'est montrée très persévérante. Mais je me pose la question, est-ce que je vous ai donné autant de mal à l'époque que William est en train de m'en donner? Oh, bien plus. Votre père et moi avons subi vos frasques avec Anne Whiplash Wallace, la sœur de Diana, Sarah, la fille du brasseur, Sabrina Guinness. Et oserais-je dire, Camilla.
Ne soyez pas trop dur avec vous, Charles. Avec du recul maintenant, je me rends compte de la terrible pression que nous vous avons fait subir pour que vous vous mariez et engendriez un héritier. Et les temps étaient différents à l'époque. On ne pouvait vivre avec une femme sans être marié avec elle. On ne pouvait pas épouser une femme divorcée. Et... oh, je sais que, même si j'ai voulu essayer de vous conseiller du mieux possible, mes opinions étaient clairement influencées par les valeurs de mes parents. Vous savez, mon père ne s'est jamais vraiment remis du scandale qui a impliqué mon oncle David et cette femme, Wally Simpsons, à tel point que ma chère sœur Margaret n'a jamais pu épouser l'homme qu'elle aimait sous prétexte que celui-ci était un roturier. Mais les choses sont bien différentes à présent, n'est-ce pas? Le monde dans lequel vivent vos fils est tellement plus libéral que le nôtre ne l'a été. Il ne faut pas être trop sévère avec les garçons. Nous devons accepter les règles de leur nouveau monde. Nous voulons toujours bien faire, mais... nous reflétons notre temps, tout comme ils refléteront le leur. Vous avez raison, mère. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, Charles. Êtes-vous en train d'insinuer que notre famille est prude, ma chère? Vous avez oublié de mentionner votre grand-oncle, Édouard VII. Je crois me rappeler, si ma mémoire est bonne, qu'il a eu quand même 52 maîtresses, la plupart pendant son mariage avec la reine Alexandra. Non, je n'ai pas oublié. Avec toi. Je suis contente que tu aies changé d'avis. Ils sont bien en concert. Alicia. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Qui ça? Oui, il est devant là-bas. Tu savais qu'il serait là, pas vrai? Quoi? Mais non, pas du tout. En plus... c'est même pas lui, alors arrête. J'ai passé une année entière à regarder cette nuit concours d'histoire de l'art. Crois-moi, c'est lui. En tout cas, si c'est lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas avec une autre fille. C'est vrai. J'essaie de ne jamais me prendre trop au sérieux. Après tout, la vie n'est qu'un voyage. Lorsque le jour de notre séparation est arrivé, la première chose que j'ai faite, ce fut d'aller parler aux enfants. Et William m'a tendu une boîte de chocolat et m'a dit « Maman, on t'a fait du mal. C'est pour que tu retrouves le sourire. » J'ai souri. Je crois que tout le monde a besoin de quelqu'un qui puisse vous donner de l'affection, qui vous fasse vous sentir important, quelqu'un qui vous soutienne, qui vous éclaire quand vous êtes au fond du gouffre. Je veux que mes fils sachent comprendre les émotions des gens, leurs doutes et leurs incertitudes, ainsi que tous leurs espoirs et tous leurs rêves.
Je pense à William tout particulièrement. Si tu as la chance de trouver l'amour dans ta vie, tu dois tout faire pour le retenir. Tu dois en prendre soin. Et si tu as la chance de trouver quelqu'un qui partage cet amour, tu dois le protéger. Si un jour tu rencontres une femme qui t'aime, tu devras la protéger. On est sûr qu'il n'y aura pas de paparazzi. À moins qu'il y en ait au sein de la tribu des Amérous. Attention. Attention aux branches. Ça dans le guide. C'est normal, c'est pas dans le guide. Lyon est mort ce soir. Ah oui, Moé, ah oui, Moé, ah oui, Moé. Lyon est mort ce soir. Ah, qu'est-ce que je suis bien ici. Oh, oui. C'est vraiment un endroit magnifique. Je comprends ce qui t'attire tant ici. En fait, je parlais de tes cuisses. T'entends? Quoi? Tu parles du crapaud? Non. En fait, on a un autre frère. Mais on n'aime pas trop en parler. Il s'appelle Jérémy. Et si tu lui donnes un baiser, t'auras deux princes à tes pieds. Oui, mais c'est bon, je suis déjà bien occupée avec un seul. Oh, oh, oh. T'as entendu? Ça m'a l'air un peu plus féroce qu'un crapaud. Je te protégerai. William, ça veut dire le grand protecteur. C'est ma mère. Elle m'a donné ce prénom parce que... elle avait conscience de ce que serait mon futur. Et qu'un jour, je serais appelé à protéger mon pays. Mais avant d'en arriver là, je dois d'abord protéger la femme que j'aime. Alors, je sais que j'ai pas toujours été à la hauteur. On était encore jeunes. C'était une phase où on se cherchait tous les deux. C'est vrai que ça m'a rendue triste et malheureuse. Mais en même temps, ça m'a rendue plus forte. Et notre relation est plus solide maintenant. T'es une fille très romantique. Tu trouves? Je sais pas si t'as lu, mais d'après le guide... Qu'est-ce qu'il y a décrit? Attends. Alors... quand une femelle rhinocéros noire tombe amoureuse d'un de ses congénères du sexe opposé, elle frotte sa tête contre la sienne pour qu'il se familiarise avec son odeur. Tu trouves pas ça trop mignon? Je sais pas, ça dépend. T'as déjà senti un rhinocéros? Ouh, accroche-toi, jamais au grand jamais. Si je devais me comparer avec un animal, ce serait plutôt un aigle à tête blanche. Parce que tu vois, le mâle et la femelle, ils restent ensemble toute leur vie. Évidemment, chez eux, c'est purement instinctif. Alors que les humains choisissent de rester fidèles. Quoi qu'il en soit, c'est parfois difficile de savoir quel choix sera le bon. On passe des nuits et des nuits sans dormir, à se demander si on finira par faire ce choix.
Jamais au grand jamais. Je n'avais rencontré le grand amour avant toi, Catherine. Catherine? Tu ne m'as jamais appelée Catherine? Écoute-moi, Kate. Je promets de t'aimer, de te chérir et de te protéger. Jusqu'à la fin de mes jours. Catherine. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oui. Jamais, au grand jamais, je n'ai souhaité quelque chose aussi profondément.